Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier live sur la grille d'un morceau qui s'appelle « Sur le bout de la langue » de Baz Baz. Alors, il mériterait d'être plus connu du « entre guillemets grand public ». C'est un artiste, moi, que j'adore. Je vous invite à aller écouter le morceau, vous qui me regardez sur YouTube, hein, vous tapez « Baz Baz » sur le bout de la langue. Et vous allez voir que par rapport aux trois morceaux précédents qu'on a fait, que je vais reprendre, bien entendu, la grille est quand même bien plus simple et j'avais envie de ne pas trop me prendre la tête. Donc c'est vrai que ça va être une grille propice, même s'il y a plein de choses à faire. Alors ce que je propose, c'est que on va d'abord écouter le morceau original depuis TikTok. Hein, et sur YouTube, ça sera coupé à cause des droits. Merci YouTube. Allez, c'est parti, on va écouter le morceau. Et vous allez me dire eh bien, ce que vous en pensez et si vous connaissez ce morceau et cet artiste. Allez, c'est parti. Superbe morceau, super groove. Vraiment, j'adore. Ok, alors, la grille d'accords, elle n'est pas très compliquée. Je vais swiper l'intro, j'allais dire l'entrée. C'est pareil. On va s'intéresser donc couplet et refrain. Alors, les couplets vont être en fa mineur. Donc, je vais avoir deux mesures de fa mineur. Une mesure de Do mineur, une mesure de Si bémol mineur. Et on répète ça une deuxième fois. Et on arrive au refrain, on passe en Fa majeur. Une mesure de Fa majeur, une mesure de Si bémol majeur. Une mesure de Fa majeur. Une mesure de Si bémol majeur. Deux temps de Fa, deux temps de Si bémol. Deux temps de Fa, deux temps de Si bémol. Une mesure de Fa. Et après ça repart. Fa mineur. Do mineur. Si bémol mineur. Alors, le Fa mineur, vous pouvez le transformer en Fa mineur 7 en enlevant le petit doigt. Et vous pouvez venir mettre le petit doigt ici sur la 11e case, sur la mi-aiguë. Pour le Do mineur, généralement, quand on travaille avec une backing track, un playback, on ne fait pas la quinte ici. Donc en fait, tout simplement, je barre comme ça et je mets le doigt ici. Pareil pour le Si bémol mineur. Pour le Fa, ben on peut faire Fa ou Fa 7. Et pareil pour le Si bémol. Ok, avant d'aller plus loin dans les accords qu'on peut faire différemment, on va commencer directement l'impro. Merci Philippe 15340 de t'être abonné, c'est gentil. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous mes lives TikTok sur ma chaîne YouTube. Il suffit d'aller dans mon lien, vous cliquez, j'ai déjà fait plein de morceaux. Donc allez jeter un œil, vous serez pas déçus. Enfin, j'espère. ok, donc en improvisation, pour l'instant, je vais faire au plus simple possible, c'est-à-dire sur toute la grille, aussi bien sur les couplets que les refrains, je vais faire Fa mineur pentatonique. En rajoutant la blues note. Allez, je vais improviser avec ça. On va mettre un son un peu plus sympa. C'est parti. J'ai un petit précompte. Salut, tu as une Gibson. Ouais. We'll be right back.
Ok, est-ce que vous entendez le son? Parce que hier j'avais des petits problèmes. C'est assez fort, c'est pas assez fort. Alors on me demande du Motley Crue, j'en ai déjà fait. Si tu vas voir, je pense, dans mes vidéos sur TikTok, il y a un morceau et je prévois d'en faire d'autres dans quelques semaines. Je les connais pas par cœur malheureusement et j'ai pas là la tablature sous les yeux. Donc je serais incapable de mémoire, à mon grand regret, comme beaucoup beaucoup de morceaux. Hein. J'ai des problèmes de mémoire, donc sans la tablature, j'y arrive pas. Ok, donc vous avez vu que ça sonne, hein, c'est un peu comme un blues. Merci Maël. C'est un peu comme un blues, la grille. Même si on passe de fa mineur à fa majeur en tonalité, ça passe. Pourquoi ? Parce que par exemple dans un blues, en la. On fait un accord de la 7, donc c'est un accord majeur, et pourtant on peut jouer du la mineur pentatonique. Donc là, c'est pour ça que ça fonctionne. Ceci étant dit, quand ça passe en fa majeur, j'ai cette note ici qui est un la, fa la, qui ne fait pas partie de ma gamme pentatonique, parce que... Et pareil, l'octave au-dessus. Hein. Bon, là, il est ici. Et ma gamme, c'est... Et lui, d'ailleurs, quand il chante le refrain, s'il fait... Donc il passe par le la. En fait, ça, si vous voulez, ça marque le changement de tonalité entre fa mineur et fa majeur. Et c'est ça qui est intéressant. La deuxième chose que l'on peut faire, toujours dans le refrain, il fait un si bémol majeur ou septième. Eh bien, le si bémol, il y est dans la gamme pentatonique. Voilà. Je le cherche, hein. Je suis arrivé. Mais par contre, la tierce du si bémol majeur, le ré, il n'y est pas. Il est ici. Donc, dans le refrain, ce que je peux faire, c'est rajouter le la sur le fa et rajouter le ré sur le si bémol. Donc ça, c'est déjà pas mal à rajouter. Sur la partie couplée, pentatonique, sauf que l'on peut, et je l'ai fait un petit peu le temps que je pouvais, hein. C'est-à-dire quand on est sur le fa, bien insister sur la fondamentale. Quand on passe en do mineur, cibler le do. Et quand on est sur le si bémol mineur, cibler le si bémol. Ces deux notes, elles font partie de la gamme, hein. Faut juste les cibler. Do, si bémol, refrain. Allez, je vais essayer ça. Je vais faire partir ma boucle sans le précompte, j'en ai pas besoin. Allez, c'est parti. Peut-être mettre un petit peu plus fort. J'ai peut-être mis beaucoup plus fort. On va voir. Fa mineur. Do. Si bémol. Fa. Do. Si bémol. Fa majeur. Je repasse en mineur.
majeur. Ok, donc vous voyez que c'est sympa d'attraper le la, la tierce majeure, au bon moment. Vous voyez, des fois, je ne l'ai pas fait au bon moment, ça sonne beaucoup moins bien tout de suite. Et choper le ré sur le si bémol, c'est pas mal aussi. Et sur les couplets, choper le do et choper le si bémol, c'est pas mal aussi. Alors, ce qu'on peut rajouter pour les couplets, ce que vous dites, c'est les arpèges des accords. Donc, je peux faire fa mineur en arpège. Do mineur, je peux faire l'arpège aussi, pourquoi pas. Et si bémol mineur aussi. Ça change un petit peu l'esprit gamme et ça rajoute ces petites choses supplémentaires. Donc le fa mineur, hein, vous le retrouvez de partout. Hein. Vous pouvez le faire sur deux octaves en sweeping. Ah! Faut que je le bosse là, sur deux octaves parce que je le maîtrise pas du tout. Do mineur. Si bémol mineur. Allez, on va essayer ça.
mineur. Do mineur. Si bémol. Do. Si bémol. Alors ici, vous voyez, sur le Do, j'ai joué le Sol, qui n'est pas dans la gamme pentatonique. Donc du coup, ça peut me faire une gamme qui va faire... Fa mineur naturel. Sauf que sur le refrain, comme je vous le disais, sur le Si bémol, on a un Ré, donc il ne faudra pas venir jouer le Ré bémol. Majeur, mineur, majeur. Hello, hello, Julien, ça va ? Si vous voulez voir tous mes lives TikTok, je les rediffuse sur ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aller dans ma bio et vous verrez, il y a déjà plein de morceaux. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, hein, je peux y répondre. Pas de demande de morceaux encore pour l'instant. J'ai évoqué un petit peu la raison un petit peu plus tôt, mais je le ferai peut-être une fois ou deux de temps en temps, un de ces jours prochains. Allez, c'est reparti. Regardez sur le Do. Thank you.
était belle celle-là. Oh. Ok, pas mal de fausses notes, mais c'est normal, j'en fais toujours beaucoup pour ceux qui me suivent et qui me connaissent. C'est pas un problème pour moi. Ok, alors je vous avais dit en début de live qu'on allait peut-être voir un peu au niveau des accords ce qu'on pouvait faire. On peut essayer de faire des triades. Donc les triades, hein, pour rappel, c'est les trois notes principales d'un accord, la fondamentale ou la tonique, c'est pareil, la tierce et la quinte. Si l'accord est majeur, la tierce est majeure, c'est la corps est mineur, la tierce est mineure. Donc, Fa mineur, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, par exemple, Fa, la petite triade comme ça. Do mineur. Do mi bémol sol et si bémol. Alors j'ai une bonne question, je crois, il faut connaître les accords pour pouvoir improviser. Oui, c'est un peu comme si tu veux, je sais pas quoi prendre comme image, mais si tu roulais à vélo, non, ça va pas marcher cette image. Je sais pas si tu connaissais la route en fait, voilà, en voiture, en vélo, ce que tu veux, en bus, pas en bus que c'est le côté, mais si tu connaissais la route. Tiré par le bon chemin. Si tu connais pas la route, tu peux y arriver, mais ça risque de faire des détours. Donc, ouais, pour improviser, c'est bien de connaître la grille, parce que pour savoir les accords, quand est-ce qu'ils tombent et sur quoi, donc, on va improviser, parce que improviser tout le temps sur la même gamme, sans cibler des notes, sans faire les arpèges, etc., c'est un petit peu délicat. Donc, ouais, et en plus, d'improviser sur une grille et donc connaître les accords, ça fait apprendre la grille. Du coup, tu la connais par cœur, la grille. T'as plus besoin de regarder les accords, comme moi, je fais de temps en temps. Mais ouais, c'est super, super important, hein, vraiment. Ok, ensuite, on passe en Fa majeur. Bah, Fa majeur, je peux transformer la tierce mineure en tierce majeure. Si bémol majeur. Et je repasse en mineur. Tu saurais jouer un solo comme par exemple Bohemian Rhapsody? Non, faudrait que je l'apprenne. Et comme je disais en début de mon live, mais t'étais peut-être pas là, hein, j'ai des soucis de mémoire, donc j'ai quasiment aucun solo en mémoire. Il faut que j'ai la tablature pour pouvoir le faire et que je l'ai bossé au préalable, bien évidemment, comme tout solo. Mais celui-là, je l'ai pas encore bossé. J'ai fait, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, dans ma bio, j'ai fait le solo d'Hotel California, qui est sympa. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Anastasia de Slash. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait d'autres encore, je crois. Pas beaucoup, mais d'autres. J'ai fait Sultan of Swing, oui. Là, je prépare, mais ça sera disponible. Je pense que je ferai un live, bien entendu, mais sur November Rain de Guns N' Roses. J'essaye d'apprendre le solo, mais pas facile. Ok, donc ces petites triades servent à l'accompagnement et servent aussi à l'improvisation. Non, je peux pas le faire maintenant, mais va voir sur ma chaîne YouTube, il y est. Tu cliques dans ma bio. Alors bien sûr, après on peut le faire à d'autres endroits, hein. Le Fa mineur, on peut le faire ici. Et le Do mineur ici. Si bémol mineur.
majeur. Si bémol majeur. Donc après, vous voyez que il faut trouver toutes les triades. Et là, en plus, je suis que sur les trois cordes aiguës, mais ça peut être, je sais pas, fa mineur. Je pourrais faire celui-là. Là. Après, j'ai quoi? Do mineur. Je pourrais faire ça. Fa majeur, donc je peux le faire ici aussi. Si bémol majeur. Pareil, moi aussi j'adore Motley Crue et tu peux aller voir dans ma bio sur ma chaîne YouTube, il y a un morceau de Motley Crue. C'est Merry Go On. Je pense que tu le connais si tu adores Motley Crue. Allez, on va essayer d'accompagner avec ces petites triades. Et puis, je vais peut-être ajouter, quand j'ai envie, des notes supplémentaires. Par exemple, sur cette triade de Fa mineur. Alors, on peut faire des choses un petit peu funky comme ça. Allez, c'est parti. Je sais pas si je vais avoir assez de volume, on va voir. Ah, le précompte. Majeur. J'ai eu quelques petits ratés parce que j'ai voulu essayer des triades, alors du coup, des accords renversés en septième. Par exemple, pour le Fa mineur. Ça, c'est un Fa mineur. Et puis après, pour le Do mineur, je me suis planté d'une case, hein, ça sera bien. Et puis pour le Fa majeur, on peut même tenter des septièmes. Donc, Si bémol. Ça, c'est un petit peu plus dur, j'ai du mal. Ok, donc du coup, on peut aussi improviser sur ces petites triades. C'est ce que je vais essayer de faire. Hop.
Ah, je suis en forme aujourd'hui, hein, pour faire n'importe quoi. Thank you.
le crois dans le refrain, moi. C'est gentil. Cordage standard. Après, il se peut qu'elle se soit un peu désaccordée, parce que je ne l'ai pas accordée depuis le début du live, mais normalement, ouais. Bon, beaucoup de fausses notes, hein, excusez-moi, mais... Je pense être sur le refrain majeur, on est sur le mineur, inversement. J'ai pas assez de d'automatisme. 1973. Moi aussi. Oui. Moi je suis de 1973, effectivement.
Il y a de plus en plus d'années 70, entre 70 et 80 sur TikTok, hein, faut pas croire. C'est pas la majorité, mais il y en a. Vous voyez vraiment ce passage en majeur, même dans le blues, ça marche énormément. Mineur. Majeur. Allez, je vais refaire un petit coup d'impro et puis après, je vous donne rendez-vous prochainement. On reviendra peut-être sur cette grille parce que c'est intéressant quand même. We'll be right back.
Merci d'avoir été là et puis je vous donne rendez-vous bientôt. Bye.